L'annonce a fait l'effet d'un choc en République démocratique du Congo. Jean-Claude Muyombo, président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, rompt avec la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition. Il dénonce l'absence de débat démocratique au sein de la famille politique du président Joseph Kabila et s'oppose au maintien de ce dernier au pouvoir après 2016. C'est fini, vous devez me considérer comme un opposant. Je suis devenu un opposant en République démocratique du Congo. Je trouve qu'il n'y a pas de démocratie en République démocratique du Congo et je me désolidarise de M. Kabila et de la majorité présidentielle et j'entre dans l'opposition. C'est fini, je vais l'aider à quitter le pouvoir conformément à la Constitution. Du côté de l'opposition, on salue cette décision qui, pour l'opposant Vital Kamerhe, marque le début du grand rassemblement autour de la non-révision constitutionnelle. En effet, si la démission de Jean-Claude Muyombo est une première, d'autres personnalités de la majorité pourraient lui emboîter le pas. La démission de M. Jean-Claude Muyombo, son départ de la majorité présidentielle, ce sont des signes prévisibles que la maison présidentielle ne pourrait pas tenir longtemps. Donc moi, j'estime que c'est une bonne chose. Pour qu'il y aura encore d'autres défections qui vont se faire, parce que nous sommes dans une dynamique où il sera impossible au président Joseph Kabila de se représenter. Quand on se donne soi-même des textes, quand bien même taillés sur mesure, si on ne le respecte pas soi-même les textes qu'on s'est donnés, on est dans l'indignité politique. La Constitution de la République démocratique du Congo interdit au président Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle prévue en 2016. Mais malgré la révolte populaire au Burkina Faso, les cadres du parti au pouvoir s'activent en faveur d'une réforme constitutionnelle. Contre ces manœuvres, l'opposition congolaise se dit déterminée à résister jusqu'au bout.